Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. On revient aujourd'hui pour l'ouverture de la Glossy Box. J'étais super étonnée de l'avoir dans ma boîte aux lettres ce matin. Tout simplement parce que on est le 30 aujourd'hui et que d'habitude il l'envoie vers le 5. Donc je ne l'ai vraiment pas du tout ouverte. Alors on va l'ouvrir ensemble. Donc Glossy Box, vous avez mal joué le coup. Parce que vous êtes un peu spoilé tout seul. J'ai vu une pub sur Énergie 12 ou numéro 23, je sais plus, enfin bref, sur une des chaînes de la TNT. Où dedans il y avait des produits de la nouvelle Glossy Box. En fait, il y a la pub pour la Glossy Box et dedans ils montrent des produits, des machins. Et il me semble que c'est les produits qui avaient dans cette box là. Parce que la dernière fois, dans le dernier livret, il y avait écrit hashtag Airspray, enfin je sais plus quoi, la laque et tout ça. Et là, c'était des produits, il y avait la laque et tout. Enfin bref, donc je me suis dit, vous êtes un peu spoilé. Enfin, il me semble que c'était la laque. Je ressors l'ancien glossy, je vous dis ça tout de suite. Oui, Studio Pro, c'était bien ça, Carmex, effectivement. Donc il y avait la pub où il y avait tout ça, des Carmex, la laque et tout. Donc. Dedans, parce que là c'est une boîte rose cette fois-ci, je ne vous ai même pas montré. Je pense que c'est ça. Donc vous êtes spoilé tout seul. Donc du coup, vous m'avez spoilé aussi. Bref, je suis la seule qui a vu cette pub ou pas, dites-moi. Donc on ouvre et on tombe sur ceci. Ah bah oui, de toute façon, derrière il y a la pub pour la laque, la fameuse laque. Donc ça c'est Mais quelle héroïne de cinéma êtes-vous? Je regarde dans l'ancien glossy ce qu'il disait. Oui, voilà, c'était par rapport au festival de Cannes, il me semble bien. J'aurais dû réviser avant. Donc du coup, ça nous promet un truc tout en... Voilà, pour pouvoir accéder au festival de Cannes. Donc effectivement, j'allais l'ouvrir. Ouh là là, dis donc. On va plutôt regarder ce qu'il y a à l'intérieur et ouvrir au fur et à mesure. Donc sculpter ses sourcils. Ah, c'est cool ça. Un make-up de tatis rouge, hein, bien sûr. De tapis rouge. Et les secrets des maquilleurs de stars. C'est cool. J'espère qu'elle va être au top. Ensuite, j'ai également... Ceci, imprimez vos meilleurs souvenirs depuis votre smartphone. Voilà. Donc effectivement, il y a 10€ offerts avec le code de Lala Glossy. Je ne sais plus du tout parler, je vous remets tout autour de moi. Voilà, on ouvre. Oui, bah de toute façon, on le voit direct hein, parce que c'est un peu transparent par rapport au papier. Je suis étonnée. Et dans le bon sens, c'est pas la laque. C'est bien le... Oh, je suis contente. C'est bien le Studio Pro machin. Mais c'est une crème ultra lissante. 96 heures. Les gars, 96 heures. C'est même pas le temps que je mets entre mes lavages, quoi. Donc, protectrice de chaleur à 230 degrés, effet lissant. Tenue 96 heures, ne colle pas, sans résidus. Créativité illimitée. Ça tombe bien parce que moi, j'ai les cheveux qui bouclent. Et oui, là, il y a une heure de brushing pour obtenir ça. Je vais prendre de la matière, tant pis, je vais mettre sur ma main, mais... Ça sent bon, ça sent comme la laque. J'ai mis ça sur ma main, c'est pas grave. Je nettoierai après. C'est nickel. Par contre, moi, ça m'intéresserait de voir des vidéos sur la toile pour voir ce que... Comment l'utiliser, cette petite chose-là. De toute façon, ils ont l'appli Studio Pro où vous pouvez effectivement essayer vos styles de cheveux, enfin, je sais pas quoi, enfin, de coiffure, parce que les styles de cheveux, voilà. Donc, on va ouvrir pour voir ensemble le prix. Alors, j'essaye de pas regarder. Studio Pro crème lissante, le 150 ml, ça coûte 6,50€ et là, on a le 150 ml. Donc, c'est un full size. Bravo Glossy Box, vous avez mis un full size, je suis heureuse. On a ceci de chez Dr. Brandt. Dr. Brandt, c'est une très très bonne marque. Qu'est-ce que c'est? Il y a un truc noir de... Alors, c'est le pore dermabrasion. J'en ai déjà entendu parler de ça. Attendez, je vais l'ouvrir. Un format comme ça, lui c'est un... C'est un 7,5 g. Et en fait, celui-ci, on va regarder ce qu'ils en pensent. Ah, il y en a qui avaient la laque, hein, qui recevaient la laque. Alors, Dr. Brandt, port d'émabrasion. Donc, le 60 ml fait 58€. Donc, là, je vous ai dit, on a. Bah, c'est des grammes, ils disent. Ok. Ce talent infiniment grand de cet exfoliant. Ah, c'est un exfoliant. Et sans doute de réduire la. Oh là là, comment c'est écrit? Et sans doute de réduire à l'infiniment petit vos pores dilatés par le stress et les agressions extérieures.
deux en un, il nettoie la peau et élimine les impuretés et objectif décongestionner, désincruster, resserrer les pores. Laisser 2 minutes et rincer après massage. D'accord. Ok, donc c'est un gommage en fait. Je pensais que c'était une crème. Exfoliant sub. Oui. Bah écoutez, pourquoi pas. Je suis plutôt fan de ce genre de choses. Ça pique hein, sur la peau ça. Ensuite, bah, un baume Carmex. Donc effectivement, vous êtes complètement spoilé. C'est mon baume préféré. Je les achète à chaque fois. Moi, je les paye 3 € et quelques en pharmacie. Là, ils me disent Carmex, 4 € le stick. Bon, ça dépend des pharmacies, je pense. Alors, j'ai même pas besoin de vous lire. Ça, c'est le baume. Le baume. Il n'y a pas d'autre baume aussi hydratant que ça. Si vous en connaissez, dites-le-moi. Mais vraiment, le Carmex, c'est un truc de malade. Ça tombe bien, celui que j'ai dans mon sac, il se finit. Donc, du coup, j'en rachète. Je fais toujours du stock. Je suis hyper heureuse et je vous le montre même pas. Voilà. Et en fait, c'est quelque chose qui est assez mentholé. Donc, si vous n'aimez pas l'effet mentholé, c'est clair, passez votre chemin. Mais à la limite, je vous dirais, ne retenez pas cet effet mentholé parce qu'en fait, il est hyper méga réparateur. Il est trop bien. Regardez, enfin, j'avais toujours des peaux sur la bouche. Bon, là, j'ai du rouge à lèvres, mais je n'ai pas du tout, depuis à peu près 3 ans, une seule peau sur la bouche. J'utilise que ça. Je n'ai pas du tout de peau sur la bouche. C'est un truc de malade. Ce baume pour les lèvres, il est juste terrible. Ensuite, je pioche ceci de chez Raisin Brown. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Look good, full, feel better. Oh, c'est un crayon pour les sourcils qui soutient la femme contre le cancer. Super, de chez Studio 10. Ça se présente comme ça, enfin du moins le packaging. On va ouvrir. C'est un crayon 2 en 1, comme ça pour les sourcils. Je suis juste une adepte des produits pour les sourcils. Alors, donc ici vous avez, voilà, c'est un crayon qui se taille. Oula, par contre il est vachement pas pigmenté, hein, il est sec. Oh là là, je viens de me défoncer la main quoi. Par contre il est très tenace, hein. Il part pas, hein. Ça c'est nickel. Made in Germany, c'est nickel. Et là vous avez de l'autre côté un embout clair couleur chair pour la muqueuse ou pour le dessous de l'œil. Je sais pas si vous verrez, c'est vraiment trop bien ça et c'est exactement ma teinte. Donc ça je suppose que c'est un full size de chez Imete, maintenant c'est ça? Non, c'est ça, de chez Studio 10, le Brown Fix Perfecting Liner, donc il vaut 28,40 €. D'accord. Les sourcils forment l'équilibre de votre visage, ça je suis tout à fait d'accord. De quoi leur accorder une attention méritée avec ce crayon qui façonne leur structure grâce à ses agents lissants et fixants. Fixants, ouais, je suis totalement d'accord. Sa texture crémeuse, bon, là je suis pas d'accord du tout, est un sacré atout pour un effet super naturel. Universel, il s'accorde à toutes les carnations. Là, je suis pas non plus d'accord. Moi, effectivement, je suis blonde, mais je suis blonde foncée et du coup, je mets pour les couleurs châtain. Mais si t'es brune ou si t'es blonde claire, tu mets pas ça sur tes sourcils. Hein. Ensuite, dernière chose que je pioche, c'est encore un full size. Et 3 full size, hein. 3 full size, les gars. Franchement, la Glossy Box. Alors, qu'est-ce que c'est que ceci de chez Emit Makeup? Emit Makeup, on a déjà eu des trucs de chez eux. Alors, c'est un Lip and Cheek Tint qui vaut 16 €. Bon, bah là, déjà, rien qu'avec ça, la box est remboursée. Alors, qu'est-ce qui vous donne tout de suite une bonne mine? Des joues rosées et une bouche super. Une bouche à croquer. Y a pas écrit super, hein, je sais pas, je l'ai sorti. Ça tombe bien. Ce produit 2 en 1. Oula! 2 en 1. Déjà, ça me fait peur. Apporte à vos joues et à vos lèvres une dose parfaite de pigments pour un effet vent frais. Appliquez-le par tapotement sur une peau sur mesure naturelle. Je suis pas trop fan des trucs qu'on met comme j'ai la peau grasse. Alors déjà, comment ça se présente? C'est un embout gloss. Ah, oh, ça sent le make-up... le vieux make-up. Je sais pas comment vous expliquer. Ça sent, vous savez, les palettes quand on avait petit. Enfin, je sais pas. Voilà.
c'est un effet glossy. Voilà, et c'est pas super teinté. Sur les lèvres, ouais, mais alors je ne risquerais pas à mettre ça sur mes genoux. Clairement, parce que même si tu tapotes... Oh, mais non, même si tu tapotes, c'est pas possible. Ça fait ça, c'est moche. Tu peux pas tapoter, enfin... Ça séchera jamais le truc, c'est pas possible. Puis même, ça laissera grave des traces, oh non. Bah non, tu peux pas mettre ça sur tes joues. Non, non, non. Alors, là où j'ai appliqué le truc, il y a du rose qui reste, mais... Non, non, non. Pas sur les joues. Ça teinte, hein. Ça teinte, ça c'est sûr. Ça teinte, ça part pas. On voit bien le trait que j'ai fait. Ça part pas, mais non, je me risquerai pas à mettre ça sur mes joues. En plus, c'est vachement trop rose, alors suffit qu'on tapote mal. Bim, on va avoir une trace de doigt, quoi. Donc, non. Non, non, non. Par contre, sur les lèvres, en effet gloss, pourquoi pas, parce que ça fait un peu effet lèvres mouillées. Donc, je suis assez d'accord avec ça. Donc, bravo pour l'effet gloss, mais par contre, pour l'effet... Moi, je suis pas ce genre de cliente, on va dire. Je suis pas adepte de ça. Bon, c'était le dernier produit. Alors, on a quand même reçu un gloss, un Carmex, une crème exfoliante, un crayon et un truc pour les cheveux. Bah, écoutez, moi, je suis ravie, hein. Franchement, je suis ravie. Il y en a qui recevaient des trucs topi crème, apparemment. Là, il y a une nana qui nous explique comment faire un tuto pour tapis rouge, etc. Et donc, elle tapote hein, sur sa joue, mais j'aurais bien aimé voir le résultat parce que pour moi, elle a dû bien galérer. Là, il y a... Ah, bah voilà. Pour le truc là, pour les cheveux. Ça. Il y a des effets. En fait, ils expliquent que lavez vos cheveux, appliquez la crème lissante et répartissez à l'aide d'un peigne, séchez au sèche-cheveux. Donc, faut l'appliquer sur cheveux mouillés. Voilà. Et pour les boucles, si on voulait faire des boucles, c'était le spray. Mais je l'ai déjà, le spray. J'en ai déjà parlé dans une vidéo. Ensuite, ils parlent d'une tenue pour sans se ruiner. Voilà, voilà. Les secrets des maquilleurs. Comment faire ses sourcils. Voilà, voilà. Dans ta pochette de soirée, tu mets, et puis ils mettent des exemples. Ouais. Et dans ton vanity, tu mets, ok. Comment se coiffer avec les rubans qu'on a dans les glossy. Voilà, tuto coiffure. Sympa les tutos coiffure. C'est vrai que je pensais pas mettre les rubans dans mes cheveux, mais pourquoi pas. Toujours les recettes de cuisine que j'adore. Là, c'est une salade de demi-lait aux légumes rôtis. Ouais, ça, c'est pas pour moi. Salade de roquette au pois chiche vinaigre. Voilà, ça, c'est plus moi. Citron et gingembre. Ça, c'est moi, ça. Ensuite, donc là, il y a un concours pour la fête des mères avec Benefit. Rendez-vous sur Facebook pour participer. Là, ils ont mis des photos. Et le fameux taser, comme ils disent, pour la box de juin. Putain, juin déjà quoi. Alors, l'exotique. Waouh, on a un visu de la box qu'on va recevoir. J'adore. Bah, déjà, il y a un grand flamant rose là. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on va avoir dans la box du mois prochain? Donc, un vent d'exotisme et d'évasion souffle sur votre coffret beauté préféré. Faut pas déconner non plus, j'ai pas dit que t'étais mon coffret préféré. Hein. C'est le moment de jamais de ressortir vos lunettes de soleil, de savourer un délicieux cocktail en terrasse et d'accueillir la chaleur de l'été. Le mois prochain, Glossy Box vous embarque en plein cœur de l'Amazonie. Ça j'aime bien. Adieu jungle urbaine, place aux flamants roses et aux autres espèces locales qui s'inviteront dans votre salon pour votre plus grand plaisir. C'est garanti. Vous aimez aussi le rose de toutes ses formes, ça tombe bien, nous aussi. Et là, je vois hashtag Formula X. Je suis ravie parce que je n'ai jamais testé leur vernis, donc j'espère qu'on aura un vernis Formula X. On croise les doigts. Hashtag Baïja. Je sais pas ce que c'est Baïja, je vais regarder sur internet. Et hashtag Ushuaïa. J'espère que ce sera pas un déodorant parce que je les aime pas du tout leur déo. Par contre, j'aime bien leur gel douche. Donc voilà, et en juin, tenez-vous prêts pour une collaboration avec une marque d'exception. Je suis trop happy. J'ai hâte, on n'est même pas encore au mois de mai, mais j'ai hâte. Donc voilà pour la Glossy Box du mois de mai. Bon, il y a juste eu en quasiment un an de Glossy, donc 12 box, il y a juste eu un cafouillage. C'était le Glossy et la Glossy de mars. Ouais,
Voilà, mais ça je vous en avais reparlé. Par contre là, les deux dernières, je suis vraiment contente. Donc voilà, dites-moi si vous aussi vous l'avez, est-ce que vous en avez pensé, et dites-moi si vous n'avez pas d'abonnement à des box ou à cette box, du moins si ça vous donne envie, ou pas du tout d'ailleurs, pourquoi pas, chacun son point de vue. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.